beauté. Aujourd'hui, je vous offre une première impression des cosmétiques Unique qui m'ont été généreusement prêtés par les Unique Sisters. Vous allez avoir des liens vers leur page Facebook et leur site internet dans la barre info. Unique, c'est un concept américain. C'est une femme de l'Utah qui était très allergique à tout ce qui se fait sur le marché comme cosmétique, surtout le maquillage, qui a décidé de partir sa business pour rejoindre des femmes qui, comme elle, ont une peau sensible. Puis elle est sortie avec un concept, ma foi, assez joli. Je vous ai fait des close-ups sur les produits tout à l'heure, mais j'ai envie de vous remontrer. Là, c'est super beau. C'est très attrayant en partant, ces vendeurs, je trouve. Les prix sont très raisonnables, je trouve, pour, en tout cas, ce que je vois, là, l'apparence et tout ça, c'est très intéressant. Je vais vous dire, après les avoir essayés, si ça comble les attentes que, dans le fond, le coup d'œil donne en partant. Les produits Unique, c'est important que je vous le dise, ça se vend de la même manière que les produits Avon ou Mary Kay. C'est-à-dire, c'est avec une représentante via des catalogues et tout ça. Donc, ça ne se retrouve pas du tout en magasin. Fait que, je vous montre, là, ça vient comme un petit peu comme une salière. Oh mon Dieu, c'est super doux. Donc, j'ai la brosse. Oh mon Dieu, ça c'est du... Moi, c'est du vrai poil, là. C'est vraiment, vraiment super soyeux. Il y a la brosse de luxe, la lip shader brush, fait qu'un, avec un, coup, un bout comme ça, puis un bout comme ça pour faire le liner. Puis, il y a le crease brush, évidemment, pour faire la petite demi-lune comme j'aime faire, la banane, comme on dit, pas très élégamment. Oh putain! Oh my God! C'est vraiment beau ça! Confident! J'aime le nom de la couleur en plus. Voyez-vous? Une espèce de gold avec un peu de vert dedans? Je sais pas trop là! Oh mon Dieu, c'est tellement beau, ça n'a pas de sens. Je capote. Ça, j'en veux trop. La fameuse brosse de luxe. Et on va appliquer ça pour voir à quel point c'est juste magnifique. Donc, j'ai pas de base, rien, là. La couleur est naturellement pétante comme ça. Oh my God, le pinceau, il est juste divin, là. Ça n'a pas d'allure. J'en ai deux pinceaux, là, pour le creux. J'en ai un très court quand je veux comme ce soit vraiment intense. J'en ai un vraiment long quand je veux comme plus blender. Mais lui, il a comme juste une longueur écœurante. Oh mon Dieu, c'est vraiment beau. Ça, c'est Infatuated. Ah yeah, j'aime vraiment les noms. On dirait qu'ils me parlent super. Mais je sais pas comment trouver ça, mais je capote. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup en plus, là. Sérieusement, là. J'ai l'air d'en mettre gros, là, mais... Là, je trouve ça vraiment joli. Là, j'ai pas remarqué les prix, mais... Je vais t'en payer pas mal, là, pour un effet comme ça, là, aussi intense, aussi joli, là. Je trouve ça vraiment beau. Je vais essayer le crayon. Moi. Je le trouve un petit peu sec, mais il trace bien quand même. C'est juste qu'on est tellement habitué avec des trucs siliconés, hein, qui tracent comme rien. Là. Est-ce que bon il est? Oh mon Dieu, ta vie est si pénible. Je peux vous dire aussi que le crayon a l'air longue tenue parce que j'ai essuyé toutes mes swatches, puis il est resté. Il reste juste le swatch du crayon, fait qu'il y aura vraiment longue tenue. C'est le grand moment d'essayer le fameux mascara. Ça vient avec un mode d'emploi qui dit « Appliquez une couche mince de votre mascara régulier favori et laissez-le sécher. » On va aller chercher ça.
En ce moment, mon mascara favori, c'est un Lancôme qui est tout en train de s'effacer. Ça fait pas si longtemps que je l'ai en plus. Moi, je garde pas ça plus que 3 mois. Fait que c'était un Star quelque chose. Hypnostar. On va mettre une couche. Ça semble sec, donc passons à la fameuse opération. Donc, si je comprends bien, il faut que ce soit assez rapide. On applique une couche du gel de transplantation, je ne sais pas comment traduire ça, le transplanting gel. Et on applique les fibres rapidement. Moi, j'ai déjà essayé des trucs avec des fibres. Aimer ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ça promet plus déjà parce que les autres fibres que j'avais essayé, ça m'en mettait partout. C'était comme trop. Trop des fibres lourdes. Là, ça a l'air tout fin, tout léger. Je sais pas si j'ai fait ça comme faux. J'ai jamais fait ça de ma vie. La dernière fois, c'était une catastrophe. Là, ça n'en est pas une, effectivement. On n'en est pas partout, ni dans les yeux, ni whatever. On conclut avec une autre couche. On va comme fixer. C'est vraiment allongeant. Moi, je trouve ça super naturel. C'est drôle, j'avais peur un peu que ça se voit, là, mais je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt joli. Puis je suis sûre qu'à force de l'appliquer, tu dois développer la twist. Puis j'ai vu passer des photos de personnes qui l'ont manifestement mieux réussi que moi. Il faut dire que c'est la première fois que je touchais à ça. Là. Puis non, vraiment, là, je vois que mes cils sont vraiment plus longs. C'est ça. C'est bizarre. Fait que c'est vraiment pour de la longueur, si j'ai bien compris. Là, en tout cas, la manière que je vais l'appliquer, là, si vous voulez avoir du volume, il y a peut-être moyen. Il me semble que j'ai vu des photos où la personne avait l'air vraiment ça avait l'air vraiment plus volumineux. Ça serait intéressant à voir. J'essaie de me rappeler, c'était fait en quoi? Oh my god, c'est ça. C'est capoté. Les fibres là, sont faites en thé vert. T'sais, tu peux-tu être plus. Peux-tu être plus naturel que ça? T'sais? C'est fou, là. Bon, on va se faire des infusions avec nos possibles, c'est fou. Ok, vraiment fou, vraiment cool. Je trouve le résultat très joli, très naturel, facile à utiliser, vous avez vu. Je me suis vraiment pas cassé le bessic, puis c'est réussi, là. Je pense qu'on peut vraiment réussir à faire quelque chose d'encore plus impactant à force de le faire, là. Fait qu'honnêtement, jusqu'à présent, que des bons commentaires, pour vrai, là. C'est vraiment super. J'adore les pinceaux. Belle qualité, le fun à utiliser. Lui, il est malade mental. Là. J'en veux un genre. Ah, ils sont cute. Fabulous. Frivolous. Fierce. C'est le nom de leur cache-serve. Bon, ben cool. Foxy. Fresh. Pis frisky. Oh, je trouve ça super cute. C'est con, mais je trouve ça vraiment cute. Genre, comme si peu importe la couleur de votre peau, vous êtes magnifique et vraiment. Honnêtement, je suis séduite par le nom des produits à date. Là. C'est très, très chouette. Ok. Là, Marie-Lou, concentre-toi. Je pense que je suis fabulous. On va dire que je suis fabulous. On va savoir vite si c'est ça. Je peux faire un petit test sur ma peau rapidement, évidemment. Je sais que mon visage n'est pas la peau de la même couleur que ma main, mais. Ça me donne une petite idée et je pense que c'est ça. Finalement, je vais essayer le correcteur juste sous forme poudre. Ouais, je pense que la couleur est quand même pas mal fabuleuse. C'est sûr que c'est un peu étrange pour moi, un correcteur poudre. J'en ai déjà vu, il y en a d'autres compagnies qui l'ont fait, mais je ne les avais jamais vraiment essayé. J'haïs pas ça. Je suis pas certaine de la couleur, honnêtement, je pense que ça se peut que je me sois fourvoyée. Ça va, là, mais c'est pas. C'est peut-être un petit peu trop doré pour moi. Là. Mais la texture est super soyeuse. J'aime ça. La couvrance est légère, assez naturelle.
Donc, à présent, je vais essayer les fameux blushs. Oh my god, les couleurs sont vraiment belles. C'est vraiment lumineux, je trouve. Puis il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super naturel, là. J'avais un peu peur, je vais vous montrer la, tu sais, la couleur à flash là, pour un blush. Je te dis, oh my god, tu sais. Sur le pinceau aussi, là. On a vraiment l'impression qu'on va se ramasser avec les deux joues super rouges, puis c'est vraiment pas ce qui se passe. Ça fait vraiment comme un voile super naturel. Puis au toucher, j'imagine que c'est comme les autres poudres. Extrêmement soyeux, très fin, hein? C'est vraiment super fin comme make-up. Je trouve ça beau, je trouve ça super naturel. Il y a des super belles couleurs de blush, honnêtement. Je sens que le petit corail ici, il me fait de l'œil. Putain, c'est beau. Oh! Oh, ça me fait penser à mon Kat Von D. C'est vraiment une belle couleur. Oh my god, je sais pas si vous allez bien voir. Vraiment beau. Honnêtement, super beau potentiel. Ça s'appelle Sophisticated. Celui que j'ai mis, c'est la couleur Sweet. Je trouve que ça va bien. C'est ça, c'est délicat, c'est fin. C'est joli. Puis finalement, la touche finale, ça serait le gloss. Le Lucrative Lip Gloss dans la teinte Luxe. Il y a un petit miroir intégré que j'apprécie toujours. Puis l'applicateur est éponge. Okay. Super la texture pour vrai là. C'est d'un soyeux, ça n'a pas d'allure. Pas collant partout. Sinon, j'aurais pas apprécié. Non, vraiment, wow! Super naturel la couleur, c'est fou, avez-vous vu ça? Là? C'est comme, vraiment comme la couleur de mes lèvres, mais comme en mieux. C'est super beau. Je pense que ça pourrait être beau avec un petit contour peut-être un petit peu plus ressorti, mais là, je voulais vraiment un look atténué étant donné que mes yeux sont tellement brillants. Là. Je veux pas comme faire tch aussi sur les lèvres. Là. Je vous invite à aimer la page Facebook des Unique Sisters pour les encourager. Puis si vous êtes intéressé à voir les produits, je sais qu'ils vont être ravis d'aller chez vous faire une présentation. Donc, contactez-les. Et voilà, c'était ma première vidéo, première impression. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, faites un petit pouce, écrivez-moi un commentaire. Je vais en refaire si ça vous intéresse que j'en fasse davantage. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.